Voilà, Eva, vous voyez. Elle est en bonne santé, un petit peu fatiguée. Pourquoi? Parce qu'après les championnats du monde, elle a enchaîné quelques tournois et notamment, il y a encore 3 jours, elle rentrait du Japon. Ça fait peut-être beaucoup pour elle. Elle va, je vous assure, se reposer un petit peu. Elle l'aura bien mérité après ce championnat de France qu'elle a absolument voulu faire pour ne pas décevoir et son public et toutes les petites jeunes filles qui sont venues, elles aussi, concourir dans cette compétition. Voilà, on apprécie son travail. Le même surface que pour leur camarade masculin, de côté le tapis élastique, les lignes. Ce qui est particulièrement étonnant chez Eva Serrano, c'est le rythme qu'elle donne à son évolution. Rythme qui a été d'ailleurs recherché par son entraîneur, Madame Atanasova, la Bulgare, qui s'occupe d'elle depuis 11 ans et qui va devoir la quitter, puisque cet entraîneur a choisi de quitter la haute compétition, le haut niveau. Et donc Eva Serrano sera désormais responsable de son entraînement. Certes, il y a des entraîneurs dans l'équipe de France, mais elle avait cet entraîneur qui l'a couvé, alors que vous venez de voir elle a marché sur sa corde, oui. Oui. Alors le relais, effectivement, est déjà pris par Snejana Mladenova, une autre Bulgare auprès d'Eva Serrano, pour assurer son entraînement. Voilà, Eva Serrano qui a obtenu 2 médailles de bronze au championnat du monde, ce qui n'est pas aisé dans cette discipline dominée par les Russes, les Bulgares, les Ukrainiennes, les Biélorusses. Difficile de se faire une place sur le podium, mais enfin, c'est comme cela. Et Eva Serrano, après avoir été médaillée au championnat d'Europe, a réussi à Berlin.